Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouveau repas, le Mapo Tofu. Bien qu'originaire de Chine, c'est un plat extrêmement délicieux, notamment par temps froid. Il est très apprécié et consommé au Vietnam. Avec des ingrédients simples et seulement 15 à 20 minutes, vous allez être surpris du résultat. La liste des ingrédients est disponible à la fin de la vidéo et dans la description. Préparation. Coupez 5 tiges d'oignon en petits morceaux. Mixez 20 g de gingembre ainsi que d'ail. Coupez le tofu en cubes de 1,5 cm environ. Réalisation du plat. Réchauffez 3 cuillères à soupe d'huile. Ajoutez le gingembre et l'ail haché. Faites revenir quelques secondes à feu vif pour le parfum. Puis ajoutez une cuillère à soupe de poudre de saté. Une cuillère à soupe de poudre de piment séché. 2 cuillères à soupe de sauce huître. Mélangez le tout, puis ajoutez le porc haché, et 2 cuillères à soupe de sauce Maggi. Mélangez et faites cuire le tout pendant 3 à 4 minutes pour que la viande soit saisie. Ajoutez 400 ml d'eau. Quand la sauce se met à bouillir, ajoutez le tofu. Réduisez à feu moyen et faites cuire pendant 10 minutes pour que le tofu s'imprègne de la sauce. Vous pouvez assaisonner à la fin avec une pincée de sel ou de poudre d'assaisonnement selon votre goût. Remuez délicatement afin de ne pas casser le tofu. Mettez le tofu dans un bol et saupoudrez-les de tiges d'oignons coupées. Et voici le célèbre Mapo Tofu. On y retrouve un délicieux équilibre entre la citronnelle, le gingembre, la viande et le tofu avec un peu d'épices et de piment pour stimuler les papilles. La sauce a une couleur rouge caractéristique. Vous pouvez le servir avec du riz chaud ou le manger seul. Prenez un bol, ajoutez le riz, puis la sauce et le tofu et c'est parti pour vivre un moment riche en saveurs. À vos tabliers et à vous de jouer maintenant. Bon appétit et à bientôt!